Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit comparatif des feutres de chez Posca et des feutres que Action ont fait. Donc les Posca ce sont des feutres acryliques et les feutres de chez Action c'est la même chose, ce sont des feutres de peinture acrylique. Alors j'étais vraiment très curieuse de voir ce que ça donne, si c'est vraiment comme Posca ou pas. J'ai fait la même chose pour les promarqueurs VS ceux de chez Action, donc les feutres à colle de chez Action, et cette vidéo avait énormément plu. Donc en fait la différence comme ça en tout cas est flagrante au niveau du prix. Puisqu'au niveau de Posca, ça dépend un peu des magasins, mais ça coûte environ entre 3,50€ et jusqu'à 11,50€, 12€ le feutre. Donc par contre, il y a énormément de tailles de feutre. Mais donc on voit quand même que la catégorie de prix est quand même assez large et quand même assez chère, même pour le feutre le plus fin. Et du côté de chez Action, pour le moment, donc je sais pas comment ça va être dans 2, 3, 4, 5, 10 mois, 3 ans, pour le moment, lors de la vidéo, il y a 8 feutres, c'est un paquet de 8, et elle se vend à presque 4€ et donc 50 centimes finalement. Un feutre, ce qui est vraiment rien du tout. Donc ce qui est pour le nombre de couleurs, donc là pour le moment 55, donc il y a quand même une large gamme. Donc pour la taille des feutres, donc ici on a énormément de tailles différentes. Il y a vraiment pinceau, biseauté, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ici pour le moment, encore une fois, chez Action, il n'y a que la taille médium. Donc il s'appelle ça taille médium. Donc ça équivaut plus ou moins à ceux de chez Posca qui sont les 3M, je trouve, plus ou moins. Donc maintenant, on va passer un peu au test. Donc je vais vraiment essayer de tester sur du papier noir comme sur du papier blanc et de comparer un peu les couleurs, même si mes couleurs sont pas les mêmes. Je vais tester celles qui sont les plus semblables. Donc pour commencer, je vais prendre les deux noirs, c'est ce qu'on utilise vraiment le plus. Donc chez Posca, la couleur est vraiment très opaque, on voit vraiment rien du tout à travers. Et chez Action, donc là j'ai pas encore utilisé, donc il va falloir secouer très fort et puis pomper la pointe. On va pomper donc juste comme ceci jusqu'à ce que la peinture sorte. Voilà, l'encre est en train de sortir. Waouh! Alors là je suis vraiment agréablement surprise. Alors pour moi là, je sais même pas comparer. Pour moi ce sont les deux mêmes encres. Voilà, carrément. En tout cas pour le noir, pour ce qui est du noir, c'est incroyable. Donc je vais passer au jaune de chez Posca, c'est super. Et pour Action, bon, mis à part que c'est pas la même couleur, donc ça je peux pas juger. Hein. La couleur est vraiment très opaque, franchement il n'y a rien à dire. C'est chouette que ce soit pas la même couleur, au moins ça me fait une couleur en plus que je n'avais pas. Bon bah je pense que ça va être la même chose pour toutes les couleurs, hein. Franchement voilà. Le bleu est d'ailleurs très similaire, franchement très similaire. Et encore une fois, rien à dire. Alors après je vais parler plus en profondeur des feutres, donc restez jusqu'à la fin. Parce que là ok, ils sont bien, mais après il y a d'autres choses quand même à tester. Bon bah voilà. Encore une fois, c'est vraiment génial. Donc là maintenant ce que je vais faire, parce que les couleurs qui me restent, malheureusement je les ai pas au côté Posca. Donc je vais tout simplement tester le côté Action pour que vous voyez quand même les autres couleurs qu'il y a. Je pense avoir un petit souci avec le rouge ici, parce que je suis en train d'essayer de le pomper et la mine reste à l'intérieur. Voilà. Là je sais pas, soit mon rouge il est foutu, soit il faut le temps que ça vienne. Ça a l'air d'arriver. Mais je dois pas aller jusqu'au bout, sinon il reste que coincé. Ça y est, le rouge est arrivé. J'ai pas eu facile, mais finalement ça a été, je pense. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai eu un peu de difficulté pour le rouge, mais finalement ça s'est très bien passé. Il y a juste un problème pour pomper, mais après voilà. Vraiment, très franchement, je vois même pas vraiment la différence. Enfin, je vois même pas la différence. Je vais faire la même chose sur du papier noir, de manière à voir déjà le blanc, qui m'intrigue vraiment, parce que le blanc souvent c'est ce qui marche le moins bien. Et alors voir si les couleurs restent aussi pigmentées sur du noir, parce que c'est quand même important de pouvoir aussi faire des dessins sur du noir. Et donc pour le blanc, je suis vraiment très impatient. Oui, il est en train de s'ouvrir là. Ok, je dois même rien dire. Par contre, il y en a vraiment beaucoup qui sort, je sais pas si c'est normal. Donc voilà, alors je tiens quand même un peu à préciser que je pense que du côté du Posca, il arrive peut-être un petit peu au bout de sa vie, légèrement. Et encore, je suis même pas sûre, j'ai même l'impression que celui de chez Action est mieux. Ça, franchement, ça m'impressionne quand même un peu beaucoup. Hein. Et donc, voici ce que ça donne pour le papier noir. Donc, à part mon rouge, qui soit a un problème, soit ça marche moins bien. À part ça, je trouve que franchement, c'est très bien. Alors oui, on voit quelques traces de papier qui s'arrachent, c'est juste moi qui utilise un mauvais papier, voilà.
C'est pas du papier top top pour faire ça, mais ça le fait des deux côtés, donc on voit bien que c'est pas un problème d'action ou Posca. Donc par contre, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que peut-être, je ne sais pas, le prix serait moins élevé chez Action parce qu'il y a peut-être 6 à 10 fois moins de produits dedans. Ça, c'est bien possible, il faudrait voir à long terme. Dites-moi si vous, ça fait longtemps que vous les avez et comment ça vieillit. Peut-être qu'ici, je les utiliserai une dizaine de fois et puis c'est fini, hein, comme les fluos que j'avais eu de chez Action. Donc j'en sais rien. Donc une chose qui moi m'intéresse aussi beaucoup, c'est savoir est-ce que ça tient à l'eau. Parce que quand je fais un dessin par exemple au noir, et puis qu'après je veux utiliser de l'aquarelle pour faire l'intérieur, et ben c'est cool parce qu'avec Posca ça ne bave pas. Tester si chez Action ça fait la même chose. Donc j'ai fait des traits et je vais tout simplement tester. Donc tout d'abord sur Posca, où il n'y a pas de souci. C'est parti. Ah, ça marche aussi. Voilà. Et pourtant, de l'eau, j'en mets. Hein. Ok, et ben voilà. Donc ça marche tout à fait sur les deux. Bon, c'est bien de faire tous des petits points, mais après, je pense pas qu'on dessine avec des points. Et donc j'ai voulu tester de vraiment faire, je vais pas dire un dessin parce que j'ai fait vraiment du n'importe quoi, hein, mais des petits tests chez Posca et chez Action. Et là, je vois quelques différences. Donc quand vraiment on teste véritablement, on voit peut-être les différences. Donc ici, c'est chez Posca. Ici chez Action. Alors mis à part que chez Action c'est moins bien dessiné que chez Posca, tout simplement parce que chez Posca j'ai des feutres plus fins, chez Action je ne les ai pas. Donc on voit que mon abeille chez Action est tout à fait horrible, c'est parce que le feutre était énorme et donc j'y arrivais pas. Mais sinon en tout cas le rouge de chez Action chez moi il est vraiment pas top top. Il a fait en fait des petits morceaux de feutre, je sais pas, ça s'est déposé la peinture. Ça a fait des petits morceaux, chose qu'il n'y a pas du tout du tout chez Posca. Voilà, alors j'ai quand même remarqué une chose, c'est que chez Posca c'est beaucoup plus agréable à utiliser que chez Action. Chez Action c'est un peu plus dur, la pointe est déjà, c'est frite j'ai l'impression, elle est beaucoup moins douce. C'est beaucoup plus agressif et moins agréable à utiliser que chez Posca où on sent que ça glisse en fait, c'est vraiment ça la différence. Chez Action ça frotte plus et donc ça abîme un peu plus la feuille, il faut pas trop insister. Mais sinon, je sais pas si vous voyez vraiment de grosses différences. On arrive très bien à passer aussi chez Action par exemple du jaune et puis mettre du noir. Y a pas de soucis, ça fait pas des mélanges. Donc voilà, à ce niveau là je pense que ça va. Donc voilà pour ce petit test, ce n'est que mon avis, donc vous pouvez avoir tout à fait un avis différent du mien. Moi pour le moment, ben, ce que j'ai testé ça donne ceci, j'en suis vraiment très satisfaite. Après il y a pour le moment pas beaucoup de couleurs, donc on est quand même limité. Les tailles sont très grosses, ce sont pas du tout les tailles que j'utilise d'habitude. Moi d'habitude j'utilise ceci, ce sont les 1mm et je trouve en fait c'est la taille la plus fine et je les trouve vraiment très très bien. Donc voilà, je continuerai à acheter je pense des feutres Posca déjà si je veux d'autres couleurs, et surtout parce qu'ils vendent pour l'instant pas encore des fins, chose qui arrivera peut-être, hein, c'est très 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 possible. Si c'est comme pour les feutres à alcool de chez Action, ça arrivera peut-être. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez testé ou pas. Je vous les conseille surtout déjà si vous commencez. Ça vous fera déjà de grosses économies. Et puis même si vous commencez pas, ça vous fait toujours plein de couleurs chouettes à utiliser. Très très bien. Après à tester sur d'autres surfaces que le papier, peut-être que ce sera différent. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, ma boutique, mes précédentes vidéos et même mon Facebook si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.